Donc voilà, pas de bol, ça a été mon surnom pendant un paquet d'années. C'est pas pour rien, c'est pas une légende. Hein. Non, j'ai pas de potion, là tu vois, sur moi j'ai du poivre. Mais en fait, il y a un système tout bête que je vais faire de suite là. C'est en fait quand t'as plus d'ennemis, que t'as une possibilité de te poser un peu, tu peux méditer et suivant le temps où tu médites, ça fait avancer le temps de la journée et tu récupères toute ton énergie, comme ça. Alors après, je sais pas s'il y a une corrélation entre est-ce que la nuit les monstres sont plus forts aussi ou La pas, nuit, je tous peux les pas te monstres dire. sont gris. Ah ben ça. Alors tiens, je vais aller méditer. Hop, là tu vois, je sais pas, il est quoi, il est 18 h. On va faire une petite méditation jusqu'au lendemain, jusqu'à midi. Voilà, hein. Histoire de bouffer un bout. Hop. Mais c'est vrai qu'après, là, il faudrait que j'arrive à looter des ingrédients ou à trouver un marchand pour lui acheter de quoi me redonner un peu de vie lors des combats, parce que... Ah merde, il y en a un apparemment là-bas. Fait du bruit par là. Et il a Attends, on l'air va aller d'agresser visiter le quelqu'un. phare. Ouf. Putain, puis les contres, j'arrive trop à les placer. Oh, il est éclaté. Et en plus, mon épée pour les monstres, elle est Y a cassée. réponse tout en haut. Et faut que je trouve un forgeron pour la réparer. Tiens, lui, il loot rien. Ah, si. Puis je vais m'enlever l'arbalète aussi, du coup. C'était comment ça? Ça, c'est la lampe. Ben, tu vois, ça c'est casse-couille, je suis devant l'échelle quoi, le X il s'affiche une fois sur 10. Ouais, il est bien joli. Ouais. Je te confirme. Tout cas, moi, il me plaît vraiment beaucoup. C'est quoi cette petite porte-là? Une petite caverne. Un pantalon de chasse. Ah. Oh ben oui, tiens, plus 4. Hop là. Bon, ça, je présume que je peux toujours pas l'équiper. Ah, sélectionner un emplacement. Ok. Ouais, c'est ce que je regardais. Ouais. Mais là, lors de ces quêtes annexes, là, j'ai pas pu rencontrer énormément de marchands. Et du coup, bah, c'est un peu la galère parce que... C'est pas souvent que t'as du loot intéressant.
Ouais, et puis ils sont blindés, il y en a de partout quoi. Oh putain. Autant les contre-attaques sur les humains, t'arrives assez à les placer facilement, mais putain. T'en as déjà débloqué des finish moves là? Ouais, quelques-uns. Putain, mais moi j'en ai aucun quoi. Comment ça se fait? Tu les chopes où? Bon, je sais pas, ça est fait tout seul. Enfin, il me semble. Peut-être en fonction du niveau alors. Ah oui, Enfin, je tiens, t'ai fait j'ai une arrivée dans utilisé la la lampe ville. magique pour trouver des fantômes. Par contre, ça va être dans quelle zone ça? Puisque c'est facultatif, on va essayer de le faire. Hop. Et comment je fais pour utiliser la lampe? Ah. Ah mais non, mais c'est... Comment je fais? Merde, je suis con. Parce que là, elle est bien équipée. Ah, c'est peut-être celui-là. Non. Ça va être le feu. Ok. Ben mince. Tu l'as équipé la lampe? Non. Permet de voir et d'entendre les fantômes. Bon, ben c'est juste peut-être quand elle est équipée alors. Ben, on va voir. Je sais pas s'il y a un bouton spécial pour. Pourquoi je prends pas une autre épée? Alors, mais parce que les autres épées que j'ai dans mon inventaire, en fait, ce sont des grandes épées. Et là, t'en as une grande et une petite, puisque t'as une épée pour les monstres et une épée pour les hommes, en fait. Et celle-là. Ah, attends. Tu vois, celle-là, c'est que pour la première. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Tu vois, ça change le curseur quand ça peut changer l'arme en question. Putain, je sais plus parler. Donc là, on a la tour des souris. Ok, on va essayer de grimper vite fait sans trop se faire marave. Voilà. Des rats. Comme c'est charmant. Essayons avec la lampe de Kera. Ben, je veux bien, mais comment on fait? Sélectionner lampe magique. Merci à toi et puis au plaisir de ton prochain passage, Monsieur Joe, Monsieur Corleone. Et vous, Mulderstone?
Bonne fin de journée à toi. Il te salue, Brice. Putain, c'est hyper cher le voyage en bateau là. Hyper cher. Bah c'est 1 000 $. Je sais pas, moi j'ai été prendre une barque qui était au bord de l'eau, je suis monté dedans et je me suis amené tout seul. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui frappe, quoi. Tu peux être tranquille un peu? Beaucoup ont dû mourir ici. C'est qui frappe? C'est une blague, c'est pas drôle. C'est marrant. Alors, allez où cette île? Cap sur Skellige. Qui dit porte verrouillée, dit qu'il y a une clé. C'est quoi cet endroit chelou? Bah attends, mais t'as mis combien de temps pour y aller? 1 heure? Non, mais un petit instant, oui. Bah, parce que moi, c'est en dehors de la map. Ah, j'ai trouvé une épée. Non, moi le point, il était bien. Y a pas un truc à faire là? Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais comment je l'utilise, ce con de lampe là? C'est quoi ce truc vert ici? Ah ben non, c'est R1, je suis bête. Il est con, quoi. C'est riche, j'ai du mal à les comprendre. Garder les rats en cage comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim, sinon. Plutôt brûler cette vermine, les relâcher une première fois. Imagine les dégâts.